Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors aujourd'hui, comme prévu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire notre production de rotor. Pour ça, on avait trouvé là à côté de la production de tôle de cuivre de la dernière fois. On avait trouvé qu'il y avait du fer pas loin. Ah, on va peut-être rélever un pouya. Voilà. Et regardez, ici. Oh. Il y a des méchants. Des méchants. Attaque! Voilà. Ça fait mal. Ici, on a d'autres. Voilà. On y va un peu comme un gros bourrin, beaucoup comme un gros bourrin. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, des feuilles et du bois perdu en plein milieu nulle part. Intéressant. On va ramasser, hein. Ça fait un peu tâche. Donc on va s'occuper du minerai de fer là qui sort, qui bloque la construction de notre comment ça s'appelle? Notre foreuse. Ah, pour en placer un petit. Un grand atelier d'équipement pour prendre la foreuse portable. Je l'ai fait. On va tirer notre câble. Parce que effectivement j'ai totalement oublié de tirer le câble. Oh, ça va que c'est pas loin. C'est vraiment pas loin pour le coup. Hop. Et on va pouvoir commencer notre construction de tout ça. Et on va le faire, je pense, avec sur étage, enfin, comment dire, avec approvisionnement de par le sol. C'est-à-dire que là, on va avoir, d'ailleurs, je pense comme ça. Hein. En vrai, ça va partir là-bas, hein, comme ça. Hein. Ouais. On aura notre prod par là, là. Dommage pour ça, c'est pas grave. Hein, on va voir si là j'ai le niveau qui est bon pour placer ma foreuse. Yes. Je vais la mettre comme ça, ça me fera gagner un peu de profondeur. D'ailleurs là, on est vraiment bien. Hein. On a de la place jusque là, facile. Voyons. Maintenant ça se complique. J'ai pas fait les calculs. Ou alors je les ai peut-être fait mais je les ai oubliés. Les rotors c'est du fer et de la vis. C'est des tiges de fer et des vis. Des vis c'est des tiges de fer, donc il va falloir produire des tiges de fer. Donc là jusque là ça va aller. On va produire, on va faire 8 constructeurs. Jusque là ça va. On va faire 8 constructeurs qu'on va allouer à des tiges de fer. Alors question, est-ce que je le fais tout en largeur? Est-ce que je le fais pas tout en largeur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh je peux hein. Oh, vous savez quoi, en passant kikiner cette fois on va tout faire en largeur. 2. On va placer nos câbles d'alimentation. Ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est oui, de configurer. Hop, coller. Coller. Coller, coller. Coller et coller. Voilà. Au niveau de la lime 1, 2, 3, 4, donc ici, on va dispatcher donc répartiteur,
Ici on dispatche en deux. Là on dispatche en deux. Ouais, pour le reste c'est bon. Pour le reste on s'enquiquine pas. On aura on va remplir la file de prod puis c'est un... Hop. Convoyeur. Hop, convoyeur. Convoyeur, c'est bon. Oups. Et. Tiens. Ah oui, non. Ah, mais c'est au bout, j'en ai rajouté un de trop, hein, convoyeur. Un répartiteur, je veux dire. Ah, on peut éviter d'en avoir un de trop ici. Un MK2, il en sortira 120. Là, on va alimenter. C'est où l'alim? C'est là. Ça, c'est bon. Et ici. Ici, ici, ici. Je vais mettre une ligne. Que je vais tirer. Je vais alimenter, alors non je vais pas alimenter de suite. On va attendre que ça se remplisse derrière d'abord. On va surtout tirer du câble pour. Oh zut. Mais exceptionnellement il ira là, c'est pas bien grave. Là, tout alimenté. Ensuite, donc là, ça doit se remplir tranquillou. Pas du tout. Oh, mais oui. Il fallait me dire que j'étais con. Stop. Ah mais oui, mais oui, non mais oui, j'ai voulu aller trop vite. Oh, con de moi. Bon bah, on refait. J'ai oublié de c'est Django en fait. Il faut que j'en fasse des lingots avant. Ah là là. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Bon. À vouloir aller trop vite, à vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Ou alors à vouloir mettre la charrue avant la bœuf. Ouf. Au choix. On fait des bêtises. Voilà, on va faire 4 au fourneau. Je sais pas si ça passera là. Là, je pense que c'est bon, mais. Non, non, c'est pas bon du tout. Là. Bon. Bon, on va décaler de 1. Là j'aurai la place au moins, là je suis sûr. Voilà. Groupeur, non, répartiteur. Alors, il faut que j'ai de la place. On va y faire ça bien. Pas besoin ici. Hop là. Bah super. Hein. Dis donc, j'ai le compas dans l'œil, hein. J'y vois rien. Un peu trop profondément enfoncé dans l'œil. Hein. Et le MK2. Lingot de fer. Hop. Et hop, lingot de fer. Ensuite, on valime tout ça. Même principe, vous avez l'habitude. J'essaie de prendre les jonctions. Mais on peut pas parce que ça passe en plein milieu, bien évidemment. Alors, même
même si je voulais faire un. Ok. Tac. Il suffira d'alimenter. Par exemple, celui-là ou l'autre. À partir de là. En vrai, à partir de là, je m'enquiquine pas, je regroupe tout et je redispatch. Donc là j'ai tout et là c'est là où il va falloir que je redispatch. Donc là je remets mes constructeurs. Constructeurs, merci. Ouais, si j'y mets là ce sera trop proche donc on va les mettre là. Et oui. On est bien. Répartiteur, donc il me faut un répartiteur là. Un comme ça. Voilà. On refait notre bazar là. Est-ce que j'en profite pas pour dire je le configure. Je sais pas la portée, dommage. Hop. J'ai pas l'impression que ça ait fonctionné quand je suis en mode construction. Eh ouais, ça a pas fonctionné. Ok, donc à penser. Là c'est bon. Non. Voilà, normalement je suis bon. Ensuite, on va les alimenter. Ah. J'ai peut-être dû les alimenter avant de placer tout ça, moi, parce que là, j'ai un peu plus de mal à placer mes lignes. Au millimètre près, hein. Je savais pas que j'étais dans la microélectronique, là, je croyais que j'étais dans le bâtiment. Donc. Tiens, par contre, si je tombe, c'est pas le joueur. Surtout que j'ai toujours une fois. Là, je suis capable de tomber, hein. Honnêtement, il y a un monde dans lequel là ça passe. Hein. Alors, rajoute un peu de marge. Disons que c'est pas ça qui va m'empêcher de tomber, mais ça peut limiter les probabilités. Un peu fortement les limiter même. Hop, je me suis totalement gouré moi. Je sais pas ce que j'avais dans les yeux, mais c'est oula. Tac, je retire la ligne, je retire celle-là, je le replace et je replace. Comme ça j'aurais plus qu'à brancher. Bah tiens, et voilà. Donc de tout ça, j'ai du. J'ai encore un peu de marge là, si je peux rajouter un. Un petit peu là. Donc de tout ça me sort 120 barres de fer. Mon assembleuse, on a dit qu'il me fallait 20 barres de fer et 100 vis. 100 vis, c'est 25 barres de fer. Donc,
4 rotors, il me faut 120 barres de 100, 25 barres de fer. J'en produis 120. Donc ça va me faire 4 et quelques. Parce que c'est 125. Donc je vais produire 4 rotors. Enfin, je vais avoir 4 assembleuses de rotors. Donc 4 assembleuses de rotors dit 400 vis. Je me serais pas trompé quelque part. Dans mon calcul, moi. 400 vis. Ça fait 10. Ah, je suis pas bon. Non, je suis pas bon là, dans ce que j'ai dit. Hein. Parce que là, c'est 20. Non, 25, c'est que... Ah, 25, non, ok, 25, c'est que pour les vis. Donc, en fait, j'ai 25 plus 20, donc c'est 45. Ok. Donc, 45 fois 2, 80, 10, ouais. Et 45 fois 3, 135. Donc, on va partir sur 3. Donc, on va partir sur 3. Je crois que ça me produit 10, 15, ouais. 60, donc je vais en garder 4. Je vais garder 4. 1, 2, 3, 4. Je vais garder ces 4 là. En production de tiges. Et le reste, ça partira en vis. Donc tout ça. En plus, il me faut 3, donc je regroupe. Donc tout ça, je la garde en tige. Ok. Et le reste, ça part en vis. Alors, les vis. Là, il m'en sort 15 par minute. Ça, les vis, ça m'en prend... Combien ? 10, 15, 1, 2, 3, 4, oui c'est bon, 15 fois 4, 60, donc ça me fait 6 constructeurs pour les vis, ok, attends, je vais regrouper par 2, et je redispatch, donc la groupeur, ça j'ai 30, c'est facile. Ça me fait 3 par machin. Et d'ailleurs, ce que je vais pouvoir faire, c'est décaler là. Alors, je sais pas si. Au niveau de la place, je suis bon. Non, bon, on va prendre un peu plus large. C'est pas grave, c'est pas opti, mais. Ouais, mine de rien, un plaque de fer renforcé, je pense en avoir fait assez. Peut-être limite. Un répartiteur. Une. Deux, trois. Mon autre répartiteur. Oula, j'ai sauté un peu loin là. Une. Deux. Trois. Ah, c'est vrai qu'on peut pas. Vis. Copier, coller. Coller. Coller, coller. Et coller, hop, tac. On va replacer les lignes. J'ai refait la même connerie, j'ai replacé mes... Bon, c'est un peu moins gênant, mais j'ai replacé mes convoyeurs. Hop. Voilà. Je peux pas. Hop. Tac, lui il va en avoir pas mal. Tac, 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 et lui c'est bon. Donc lui pareil que je vais tirer jusqu'à là-bas et que je vais réalimenter plus tard. Quoique,
En vrai de vrai, là si je peux, ce sera plus simple pour moi de faire ça. Comme ça j'aurai qu'un seul fil à alimenter. Donc tout ça c'est de la vis, impeccable. Fois 2, 4, 6. Ça me fait 24, ça me fait. Oh la vache, ça fait beaucoup là. 248. Ah ouais, non, mais avec les convoyeurs, ça va être difficile. Faut que je m'arrange là au niveau des convoyeurs. 248. Convoyeur, assembleuse. C'est 100. Ouais, 240. Ah ouais. Ouais, c'est un peu chiant. Ah, c'est un peu chiant en plus. On va regrouper par 3. Ouais. 3 ça me fait 120, donc ça me fait un MK2, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, donc c'est mieux que rien quoi. Donc on va faire un répartiteur là, en plein milieu des 3, un répartiteur là. Voilà. Un groupeur, ah non mais oui en plus. Ah, donc j'ai mon groupeur. Oui, c'est normal, pas d'alim. Et en fait, c'est là, mes groupeurs partent dans des répartiteurs. J'en ai un qui alimente et j'en ai un autre qui vend groupe. J'aurai besoin encore d'une longueur là je pense. Sinon je vais être trop recrack. On va changer un peu. Ah oh, zut, manque des plaques de fer. Je dois pouvoir en fabriquer. Ouais, plaques de fer renforcées, ça va. Je vais pas en fabriquer trop, on va prendre 16 parce que sinon il va peut-être me manquer des plaques de fer. Un fake. Donc, ça part dans un répartiteur. MK2. Donc un qui part direct. Ah bah alors. Ah. Dommage. Donc un qui part dans le MK2 et l'autre qui va partir dans le. Dans l'assembleuse. D'ailleurs, un protor. Comme ça, c'est bien. Non, peut-être un. Il est plus loin. Voilà. Hop là, on va essayer d'être aligné. C'est pas du tout aligné sur le bon point. Voilà. Là, on peut faire. Oui, on peut faire repartir. Donc là, on va faire même principe, c'est-à-dire le répartiteur. MK2. Ah oui, alors oui, mais oui, mais oui. On a le même problème, je suppose. Voilà. Donc je vais devoir refaire encore du plaque de fer renforcé. J'en ai utilisé deux là, j'ai oublié pour la petite jonction. Ok. Là. On va mettre une troisième. Voilà. Tac,
C'est où? C'est là, je crois. C'est juste à côté. Trop proche. Je crois qu'on est bien. Avec un câble. Voilà. Et lui, il part en anime là. Voilà, très très bien. Rotor. Rotor. Ici. On a un regroupeur. Qui par là? Lui, il va prendre. Ça de là, lui. Ah bon? Je suis si mauvais que ça? Ah oui, je suis mauvais. Je suis pas aligné du tout, qu'est-ce que j'ai foutu? Waouh, j'étais vraiment pas aligné, hein. Hop. Voilà, ça devrait être mieux. Ah oui, il y a plus d'eau. Voilà, on groupe. Ça. Là il veut bien, là, c'est marrant. Et là, bah faut que j'alimente avec mes tiges de fer. Donc. Oui. Donc je peux utiliser du mquin. Donc ce que je vais faire c'est. Mettre beaucoup plus loin. J'ai un premier qui va là. Alors, si possible. Voilà. Allez. Premier qui est alimenté. Deuxième. Je fasse propre. Si possible. Quand je longe. Oh, ça touche quoi? Oh, ça touche rien. C'est bon. Et le troisième qui va être un peu plus compliqué là. Parce que là, on va passer comme ça. Ici. C'est sûr que je peux pas faire beaucoup mieux parce que là, bah, j'ai le départ. Donc déjà là. Je triche un pouillard, bon pas beaucoup, ça va. On va dire que c'est le... En vrai là je peux gagner ce qu'il me faut. J'essaie de mettre les sorties les plus proches possibles pour voir un peu ce que je peux gagner. Là mais ça touche pas, hein. Hop, c'est très bien. Là, voilà, on a grandi de 2. Je mets mon conteneur. Ok, le conteneur, je vais mettre un groupeur.
Bah alors, ah oui, j'étais pas sur la bonne touche. Si je me mène, ça va pas être drôle, donc on va rajouter un petit filet de sécurité quoi. On est bien méchant. Oh non. Il me manque une plaque de fer pour terminer le truc. Ah c'est terrible. Heureusement, tout à l'heure on avait récupéré quelques lingots. Je vais en consommer 13 là. Voilà. Hop, on trie un coup tout ça. Ni vu ni connu. Impeccable. Voyons voir, je veux voir au niveau de l'électricité, est-ce que ça va tenir? Conso max, la conso, oui. Oh oui. On a une capacité de 870. On a une prod de 600. Ah oui, parce que j'avais les... La production d'électricité par la biomasse. Eh ben, c'est parti, mon kiki. Hein. On va voir ce que tout ça donne. Là, ça débite bien, là-dedans. On va voir si ça sort de partout. Ouais, ouais, ouais. Ah. Ah. Ah, j'ai oublié de faire une route là. Et là il va me falloir en plus des plaques de fer renforcées. Parce qu'on a 120 si je ne me trompe pas. On va voir combien il va nous falloir de plaques de fer renforcées. Oh la vache, c'est pas cher. Je pense qu'il va nous en falloir 6. Aux alentours de 6. Donc ouais, je vais partir sur 30 lingots de fer. Vingtaine de plaques. J'en ai 5. Oh, terrible, si c'est vraiment 6, terrible parce qu'il en manquera une. Attendez, on va voir. Quoi? 13! Ah ouais! Ah ouais! On va tout faire! 13! Oh la vache! Ah, ça coûte vraiment plus cher que ce que je pensais. Hein. Ah, je l'ai pas vu venir là. Le coup du 13, je me suis dit, oh. Bon, déjà, je me suis. Je me suis possiblement déjà trompé dans l'endroit. Je pensais que c'était. Je pensais que je devais relier à un autre endroit. Ça rajoute un pouillat de chemin. Mais 13 ? Non, les convoyeurs, c'est devenu cher. Hein. Sacrément renforcé, hein. Le stock là, le stock de minerais, au pire là on a produit des lingots donc ça sera pas, on ira choper des lingots direct, ça nous fera gagner un peu de temps. Ah ouais, 13, ah, ça, non, il va me manquer, je vais devoir choper quelques lingots je pense. Là, j'ai 6, ça va m'en faire 11 si, ouais. Et non, terrible ça. Après j'ai pas forcément été économe, mais bon, quand même, avec combien, 13, ah il m'en manque 2, mais heureusement. Tiens, putain. Je suis peut-être allé un peu fort, c'est pas grave. Au moins comme ça je serai sûr d'avoir ce qu'il faut. Quoique, on n'est jamais sûr dans ce jeu. Il y a une chose dont je suis certain, c'est que je suis incertain. Non, comment dire. Je sais qu'il y a un truc, c'est la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y a une chose que je suis certain, c'est que je ne suis certain de rien. Je sais pas si ça fonctionne non plus. Ça le fait un peu moins, tu vois, c'est moins fun. Je sais pas ce que vous en pensez. Le principe est intéressant, mais ça claque moins, tu vois, c'est moins... Ça n'a pas le même effet, quoi.
Allez. Tac. Et là, t'aliment. Allez, aliment, parcelle. Dis donc, les plaques de fer renforcées sont dégueulasses. C'est moi ou... J'ai l'impression qu'elles sont vraiment dégueulasses comparé au reste. C'est des plaques de fer, hein, c'est pas des plaques de rouille. Hein. Bon, je voulais vérifier surtout si partout ça produisait. Ça produit très bien partout. On va regarder, on va faire la même chose pour les constructeurs de tiges de fer. Toi. T'as peut-être pas encore chopé du... Ouais, c'est ça. Hop, ces deux-là, ils fonctionnent. Celui-là, il fonctionne. 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 Et celui-là, il fonctionne. Ok. J'ai pas l'air d'avoir oublié de... Ok. On va vérifier la prod de vis. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça, je l'ai vu fonctionner lui, oui. Ça fonctionne. On va maintenant regarder si ça, ça fonctionne bien. Ah oui, c'est vrai que ça vient de loin ça. Faut peut-être les faire dans l'ordre. Ça, ça alimente en tige de fer, en barre de fer. C'est qu'il y en a qui vont tourner un peu plus que d'autres. Lui, il tourne, et lui, lui par contre... J'ai pas l'impression d'en voir des tiges de... Oui, d'accord. Ah bah oui. Ah bah oui, oh bah pff, oh, en plus j'ai fait ça comme un sagouin, hein. Je l'ai fait n'importe comment, n'importe quoi. Hop, et là... Ah c'est ballot, il me manque des plaques de fer, tu vois. Comme quoi, comme je vous disais tout à l'heure, rien n'est certain dans ce jeu. Bon, on va en prendre quelques-unes. On va faire des quelques plaques de fer. Tac, est-ce que là... C'est pas très propre. J'ai plus. Ouais, ouais, non, c'est pas propre du tout. Comme ça, voilà. Hop. Ah, je me disais, les autres, elles produisaient vraiment beaucoup. Tu m'étonnes. Bon, là, ça devrait envoyer... C'est pas petit au niveau de la place, hein, mais bon... Je m'en fous, j'ai de la place. Avant, je faisais des choses, vraiment, j'optimisais. Si vous regardez ma précédente saison Satisfactory, j'essayais d'optimiser. Bon, j'étais pas bon. Hein. Je ne suis toujours pas. Mais là, flemme d'optimiser. Il y a de la vis. Hein. On vient le parafoudre. Hop, barre de fer. Allez, on a la première barre de fer qui arrive. On va vérifier. Donc avec ça, on a un truc genre une dizaine de rotors par seconde. Pour une mine entière. Une foreuse entière. Ok, ça produit. Magnifique, wonderful. Hop là, on peut voir là d'ailleurs. Et mine de rien. Ouais, sa petite production de rotors. De toute façon, j'en ai encore quelques-uns en rab, j'en ai 90. Je sais pas d'où ils sortent. Hein. J'avais dû les faire manuellement à un moment en me disant vas-y, il faut vraiment que j'en fasse beaucoup, comme ça, pour les vidéos. Pour les épisodes, c'est plus fluide. Bah, j'en avais fait beaucoup. Et à un moment, je ferai aussi les routes de convoyeurs qui rapatrieront tout au même endroit. Pas de suite, mais. Mais j'y penserai.
Hop là, il y a un truc qui fonctionne. Oh, ouais, voilà, oui, effectivement, le saut était un peu haut. Je me suis possiblement pété la jambe. Donc il restera, tiens, on va regarder un coup de scan. Il restera les cadres modulaires. On va essayer de choper du fer pur. Un autre endroit. Impur. Impur. Impur, c'est quoi? C'est 30? Enfin, ce serait du fer normal, bon je dis pas, mais là... Impur, il m'en faudrait 4 quoi. Il faudrait 4 impurs pour faire du pur. En plus la production, la consommation je veux dire. Pas terrible quoi. Donc pour l'épisode prochain, bah faudra que je trouve un spot de fer. En attendant, on va voir si on peut lancer quelques recherches. Hop. Via ça. Ça j'ai, par exemple. Oh, c'est la recherche. The remains researched belong to a plant-like organism hosting the larva of the flying crab, the most mature of which hatch when threatened. Hatcher remains can now be made into alien protein, and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration. Ok. On va voir si on va regarder là tout ça là. Je vais faire 5 protéines. Hop, on va replacer ça. On va faire la recherche là. Je crois qu'on peut. Ouais. Super. Research completed. Alien protein can now be turned into biomass or alien DNA capsules. In addition to being used for research, the invaluable alien lifeform data in these capsules can be traded for fixed coupons at the awesome sink. Là, c'est pas mal, là. We guarantee the best capsule to coupon exchange rate anywhere on this planet. La taille de notre inventaire. Ça c'est un peu trop avancé. Là, ça en vrai, je pourrais le faire, tiens. On va essayer de faire ça. Inhalateur de protéines, ok. Donc on va essayer de se faire 3 pâtés de machin là. Je sais pas comment on s'appelle. Enfin 3 même pas, 5. Hein. Ça là, protéines de sanglier, machin. J'ai oublié ce qu'il fallait avec. Donc ça, allez, on part sur la recherche. Research completed. The protein inhaler can restore health in the eventuality that you have been carelessly damaging fix-it property. Ça fait une petite fin d'épisode un peu plus chill, comme ça. Ça nous permet aussi de développer notre bonhomme là, de rajouter de l'espace de stockage, il en a bien besoin. Alors 1, 2, 3, 4, 5, hop là. Alors là, le but c'est de surtout pas tomber parce que là. Ça ira mieux avec les décathlons. Mais je crois qu'il faut que je les recherche d'ailleurs, les décathlons. Donc, dès que je vais les prendre, je vais avoir une vitesse tellement plus élevée que je vais tomber de partout. Ça va finir comme ça, j'ai l'impression. Hop, 6. Emplacement d'inventaire. Ça fait plaisir. Ça, on s'en fout. Pocket dimension significantly expanded. I worked all afternoon analyzing the transdimensional confibulatory permutations of alien DNA to achieve this. We are all doing our part for fix it. Analyse structurelle. Ouais. Je crois que je dois pas avoir ce qu'il faut pour faire assez de protéines animales. Deux. Ah, j'ai que deux trucs d'ennemis.
Ça vous plaît si on va à la chasse là? Mais écoutez, monsieur, j'ai la preuve d'énergie. Ah oui, mais on n'a pas besoin. On va aller à la chasse, on va essayer de trouver 2-3 péons. Attendez, alors on va prendre ça, on va prendre ça. On va dire. Bah. Ça marche pas ça? Merde, c'est pas les. Bon. Tiens, je vois quoi? Je vois une limace en plus là. Oh, excusez-moi, j'ai eu un gros freeze. Ah oui, d'accord. Ouais. On va essayer d'aller choper. Oh, j'ai des freezes dans le coin là. Ah, c'est dingue. Allez, on va choper la limace là. Est-ce que je vois des. Il y avait des ennemis dans le coin. Je crois par là-bas. Hein. Maintenant, maintenant qu'on a. Oh oui. T'es où? T'es là. Ah bien. Un pec. Allez, 2-1. Bah alors. Cours? Bah. Ah oui, mais non, mais je suis en montée, c'est pour ça. Allez, le but, ramener du corps étranger. Alors, ça, le temps que j'arrive à m'en débarrasser, je pense que je produirai déjà. je pense que je produirai déjà du pétrole, hein. On va pas se mentir. Ça, même j'ai pas envie de taper ça. C'est pacifique, donc rien à foutre. Et non, évitez, tiens. Ah non, alors ça c'est bon. Donc c'est avec. Oh! Une limace! La dernière fois ça a tiré un méchant. Ah, mais c'est ça? Yes, ah, 2. Je vais en mettre 2. Coucou! Oh, j'en ai esquivé un sans le vouloir. Hop! Eh, arrête de fuir toi! C'est dingue ça. Vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est au prochain épisode, on va faire un peu d'exploration. Donc je vais couper l'épisode ici. Et on va faire que de l'exploration pour le prochain. Bon, j'espère que celui-ci vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode d'exploration. Allez, à la prochaine, c'était Tiob. Ciao.